Situé au cœur même de l'Afrique noire, chef-lieu d'un pays aussi vaste que le quart de l'Europe ou le tiers des États-Unis d'Amérique, Léopoldville, capitale du Congo belge, est le sceau monumental que la Belgique civilisatrice a posé au bas du long ruban du fleuve. Dans le décor sauvage de la brousse tropicale, seules quelques habitations lacustres témoignent aujourd'hui d'un récent passé historique. Une tribu de pêcheurs y mène la vie ancestrale à deux pas de la ville moderne. Un grand roi, voulant réaliser un rêve noble et audacieux, légua son nom à ce qui n'était alors qu'un village de huttes et de tentes. Sous la poussée d'un puissant idéal, des hommes courageux, appartenant à toutes les classes sociales, venus surtout de Belgique mais aussi de diverses contrées européennes, œuvrèrent sous la bannière d'azur étoilée d'or. Leurs tombes sont pieusement entretenues. Leurs noms jalonnent les avenues. Un monument érigé à la gloire des pionniers du chemin de fer de Matadi à Léopoldville rappelle la bataille du rail, épopée du lieutenant Tess et de ses compagnons. Si Stanley a pu dire que faute de ce chemin de fer, le Congo belge ne vaudrait pas un penny, on peut imaginer qu'en l'absence de cette voie de communication, Léopoldville ne serait qu'un village. Aussi, ce sont les sifflets stridents des locomotives et les sirènes des bateaux qui, se faisant d'année en année plus nombreux, ont ponctué les étapes économiques de la colonie et marqué le développement de sa capitale. Né en décembre 1881, de la rencontre d'un journaliste explorateur et d'une poignée d'indigènes, la capitale du Congo belge compte à ce jour une population d'environ 400 000 habitants. Située au point extrême de la navigabilité du fleuve, qui parcourt de part et d'autre de l'équateur, une distance de plus de 4000 km et commande un réseau navigable de plus de 10 000 km, Léopoldville porte fièrement, sur son blason d'azur, un L couronné, chevauchant un fleuve avec la devise latine « Opes advecat amnis ». C'est le fleuve, en effet, qui fait sa richesse en même temps qu'une grande partie de son charme. Un équipement des plus modernes s'aligne le long des 5 km de quai des ports publics et privés. Là, accostent les grands bateaux courriers qui remontent le fleuve jusqu'à Stanleyville
ou la rivière Kasaï jusqu'à Port-Franqui. Là aussi sont chargés et déchargés les trains de barge, livrant à l'exportation les minerais du Katanga, le coton, l'huile de palme, le caoutchouc et autres richesses agricoles de l'intérieur. Immédiatement rechargés, les bateaux repartent avec leur cargaison de machines-outils, de matériaux de construction, de produits d'alimentation ou de biens de consommation nécessaires à la vie de cette grande colonie aux dimensions d'un continent. Résidence du gouverneur général et les jardins qui l'entourent surplombent les eaux tourbillonnantes dans lesquelles l'officier autrichien Kalina, compagnon de Stanley, trouva une mort tragique. Dressée ainsi qu'un éperon dans les rapides du fleuve, la pointe rocheuse d'abord et ensuite tout le quartier résidentiel s'appelèrent du nom du malchanceux explorateur. Pays du soleil, pays des fleurs, c'est dans un décor de rêve que s'élèvera bientôt le grand palais de la résidence. Le monument élevé à la gloire des héros coloniaux de la guerre de 1914 domine cette vaste cité-jardin où les villas sont enfouies dans des massifs de fleurs et de verdure. C'était, il y a quelques années à peine, un vaste bois peuplé d'animaux sauvages. Aujourd'hui, fonctionnaires et commerçants y habitent dans des bungalows qui rappellent les cités balnéaires de l'Atlantique ou les plus jolis coins de la Californie. Les coquettes villas, aux styles les plus divers, voisinent avec les bâtiments administratifs ou les gratte-ciels qui paraissent jaillir de la brousse.
Le quartier commercial, appelé Kinshasa, est groupé autour du monument au roi Albert Ier. Des bas-reliefs rappellent l'Institut national pour l'étude agronomique et le Fonds Reine Elisabeth d'assistance médicale, les deux grandes fondations de son règne. Des hôtels, des bureaux et des magasins modernes s'abritent à l'ombre des palmiers et des manguiers, où brillent au soleil éclatant des avenues nouvellement tracées. Siège de sociétés industrielles ou commerciales ayant leurs ramifications dans toute la colonie, échoppes modestes ou grands bazars à rayons multiples, banques, bâtiments publics et gratte-ciel donnent à Kinshasa son caractère particulier de cœur de la ville. Seul un soleil implacable et des palmiers géants rappellent aux visiteurs qu'ils se trouvent au cœur même de l'Afrique noire, presque sur l'équateur. Plus de 600 km de rues et d'avenues ont déjà été tracés et la ville continue à s'étendre. De puissants bulldozers travaillent sans relâche. On crée de nouvelles artères, on comble des marais sur l'emplacement desquels s'élèveront les 20 000 maisons de la nouvelle cité indigène. Les huttes ancestrales sont remplacées par des maisonnettes où se révèle un heureux souci architectural. C'est un nouveau monde que l'on bâtit de toutes pièces avec une préoccupation évidente de progrès social. Les transports en commun sont encore rares. Chacun possède un moyen de locomotion approprié à ses besoins et à ses revenus. Une circulation intense règne au carrefour et notamment au boulevard Albert Ier, artère principale de la ville.
Sur le coup de midi, plus de 15 000 cyclistes envahissent les avenues et partent en caravane vers la cité indigène. À l'avenue Prince-Baudouin, qui conduit au quartier populaire, le spectacle rappelle étonnamment celui des rues de certaines cités nordiques. Dans les quartiers périphériques, des dizaines d'hectares sont couverts d'usines pourvues de l'équipement le plus moderne. Chantiers navals, huileries, tissage, gobeletterie, tannerie, brasserie, margarinerie, ateliers de construction métallique emploient plus de 30 000 ouvriers. On file, tisse, teint et apprête le coton. On en fabrique des pagnes aux couleurs chatoyantes que portent gracieusement les élégantes congolaises. Les plus beaux de ces pagnes, selon la mode locale, sont ceux dont les dessins rappellent les produits qui ont la faveur du public. Avec les arachides et les fruits de palme, on fabrique de la margarine et de l'huile de table. Le coton de seconde qualité est employé pour la fabrication des couvertures. Les fibres de sisal sont filées et tissées en sac pour l'emballage des produits agricoles. C'est avec du coton, du caoutchouc et du cuir de production locale que d'importantes usines fabriquent des chaussures. Les quartiers les plus pittoresques sont ceux où se localise davantage la vie indigène. C'est à l'ombre des palmiers, des cocotiers et des manguiers que sont mis en vente les produits de l'industrie moderne. Les acheteurs cherchent dans la friperie la chemise ou le chapeau de couleur voyante qui retiendra les regards et fera de son possesseur un Brummel africain. Centre nerveux de la vie indigène dans toute l'Afrique, que ce soit en brousse ou dans les grandes villes, le marché voit grouiller quotidiennement des dizaines de milliers d'acheteurs et de vendeurs. Les piments rouges voisinent avec les peignes et les boîtes de conserve. Colliers et bracelets de perles enfilées offrent à la tentation féminine leur couleur chatoyante.
Les élégantes, en pagne bariolée, portent fièrement les tissus à la mode. De la couleur, il y en a partout, jusque sur les valises de fabrication locale. C'est un va-et-vient continuel d'hommes, de femmes et d'enfants qui tous ont quelque chose à vendre et quelque chose à acheter. Là, comme partout ailleurs, c'est au bord de la fontaine que se fait la causette. Et bébé est tout fier de pouvoir aider sa maman. Capitale moderne d'un pays neuf, Léopoldville possède un aérodrome de classe internationale. La tour de contrôle guide des avions reliant quotidiennement la ville aux principaux centres de l'intérieur et à la mère patrie. Les compagnies belges et étrangères assurent en outre la liaison aérienne avec les autres territoires d'Afrique et du monde. La technique moderne a vaincu triomphalement la brousse inextricable et la forêt impénétrable. Grâce aux ailes, la ville la plus éloignée du pays se trouve aujourd'hui à 8 heures de voyage de sa capitale. Les missions religieuses ont ouvert de nombreuses écoles. Garçons et filles, avides d'instruction, y suivent assidûment les cours donnés par les instituteurs et institutrices européens et autochtones. Les écoles primaires construisent chaque année de nouveaux locaux pour faire face à la demande toujours croissante d'un peuple qui naît à la civilisation. Thank you.
L'enseignement secondaire est dispensé dans trois grands établissements accessibles aux élèves de toute race qui justifient des capacités requises pour suivre les cours avec fruit. Le collège Albert Ier, que dirigent les révérends pères jésuites, a déjà formé plusieurs promotions universitaires. De vastes autobus, des services gouvernementaux amènent et viennent rechercher les élèves externes. Il en est de même à l'Athénée Royal, de fondation plus récente, dont les locaux ultramodernes sont à peine terminés. Le lycée du Sacré-Cœur vient de fêter le 25e anniversaire de sa fondation. Son internat, ainsi que celui des autres établissements, accueille des centaines d'élèves venus des postes les plus lointains de la Beauce. L'enseignement professionnel et artistique n'a pas été négligé. Une technique solide et des outils appropriés permettent aujourd'hui à l'artiste indigène d'exprimer adéquatement son sentiment et sa pensée. Comme dans la mère patrie, chaque quartier a son église. Le sport tient une grande place dans la vie coloniale. Au stade de Reine-Astrid qu'ont lieu les principales compétitions de football. Là aussi, les vedettes du sport ont leurs admiratrices. Il y a 10 ans, le parc général Hermens n'était encore qu'un marais. Aujourd'hui, la population autochtone peut y pratiquer tous les sports. Un immense bassin de natation accueille aux heures chaudes de la journée des centaines d'enfants qui viennent y prendre leurs ébats. On y organise également des compétitions de natation et de water-polo.
Le tennis est pratiqué par l'élite. Le basketball est plus populaire et les championnats organisés attirent une foule de spectateurs enthousiastes. C'est dans ce parc également que se trouve le stade Roi Baudouin, le plus grand de l'Afrique, qui peut contenir 72 000 spectateurs. Et dont la tribune abritera les locaux d'une école consacrée à la formation de moniteurs de culture physique. À la fois moderne et sauvage, d'aspect nordique et tropical, Léopoldville est le carrefour spectaculaire de deux civilisations qui, après s'être côtoyées, tendent de plus en plus à s'interpénétrer. Ville neuve, ville jeune, dont la sève fait bourgeonner les artères, sortir les usines, jaillir les maisons, et d'où naît peu à peu une nouvelle civilisation, forte de toute énergie qui dépend sans compter des hommes enthousiastes. Et c'est ainsi qu'au cœur de l'Afrique noire, la Belgique réalise le rêve d'un grand roi.